Salut tout le monde, c'est Mister Diamant. Pour ce tout petit tuto, enfin tout petit tuto, pour ce tuto, comme je vous l'avais dit, je vous montrerai pour faire le mode automatique du canon TNT. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai subi pour arriver à faire ce truc. Et c'est vraiment, je me suis vraiment pris la tête. D'ailleurs, il n'y a même pas, il n'y a même pas 5 minutes, je viens de refaire quasiment tout le canon TNT que j'avais fait tout. Enfin, pour l'autre tuto, parce que toutes les TNT ont pété juste à côté, enfin, je vous dis pas, et c'est parti. Alors, droite. Donc, ça, c'est aménagé du canon normal, hein. Donc, en gros, dès qu'on appuie sur le bouton, on va regarder. Et on voit que ça fait boum. Et juste à côté, la version automatique. Donc, je vous montre vite fait en fly. Hein. Enfin, voilà ce que j'ai subi pour réussir à faire le mode automatique. Donc, un essai, un autre essai, un essai, un essai, un essai, un essai, un essai. Enfin, je vous dis pas. Et juste dernièrement, là, bah, pour vous montrer que ça a pété, voilà. Voilà tout ce que j'ai refait. Donc, j'espère que pour la démo, là, ça va marcher. Et qu'après, je puisse aller vous montrer. Alors, c'est parti. On appuie sur les boutons. Et c'est parti. Et voilà. Donc, ça c'est pour le premier test. Et on voit que c'est automatique, car je peux le refaire une fois. Et ça va retirer. Voilà. Donc ça c'est pour le mode. Est-ce qu'il reste de la TNT? Ah ouais, il en. Non, non, il en reste plus. Non, attendez voir. Est-ce que je peux la tirer celle-là? Ah oui, je dois bien pouvoir la tirer celle-là. Bah je vais vous montrer pour la dernière TNT. C'est là que ça va foirer, ça va tout casser, mais bon. Allez, prions. Oh. Bon, eh ben je vais faire une coupure et je vous retrouve dans 2 petites secondes. Hein? Alors, normalement. Ok, alors normalement, c'est bon. Je crois que je me suis fait il y a 3 petites secondes parce que j'avais pas vu que c'était reparti. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai juste reconstruit ça. Vite fait, bien fait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire bah, ça. Voilà. Donc, on va s'écarter un peu. Et on va commencer. Alors. Bah, vous prenez redstone, répéteur, torche de redstone, levier, TNT, piston, allez, puis on va prendre de la stone. Oh non, on va garder les petites habitudes. On va prendre de la stone taillée. Donc, normalement. Ah oui! Et du sable. Et j'ai encore oublié quelque chose. On prend de l'eau. Voilà, parfait. Alors, bah vous mettez une sorte de support. Donc sur 6 de large. On peut faire ça sur 7 de 6 de long. Voilà. Donc, bon, sur l'occasion, on va faire 8. On va faire 9. Et faites 10, voilà. Alors, vous mettez les répéteurs là. Les répéteurs, n'importe quoi. Les pistons là. À deux cases avant la fin. Donc, et derrière chaque piston, vous mettez un répéteur comme ça. Et vous rejoignez tout par de la redstone. Hop. Ensuite, ici, vous mettez. Non, vous ne mettez pas de la redstone là. Bah vous placez de la TNT, donc pas plus de 6. Enfin, parce qu'après ça fait des bugs.
Bon, moi je vais vous montrer 5, c'est bien. Et maintenant, vous mettez de quoi mettre l'eau, sauf ici, donc vous mettez de l'eau jusque là. Bon, moi je fais ça surélevé parce que j'ai découvert que ça marchait mieux. Enfin, les TNT, elle est beaucoup, mais quand je dis plus beaucoup, c'est beaucoup plus loin. Quand elle était surélevée d'une case. Alors. Non, j'ai fait une boulette. Il fallait que je creuse, espèce de patate. Voilà, il fallait que je creuse. Hop, donc là, vous, comme si vous mettez l'eau ici, en gros. Donc, l'eau qui sera là. Voilà, donc là, vous mettez votre eau ici. Voilà. Donc ici, vous mettez bien un répéteur ici, donc pour alimenter bien jusqu'au bout. Et vous en mettez un ici, mais sur 4. Pour retarder ce que je vais vous montrer maintenant. Tac. Pour retarder ça, voyez, pour que quand cette TNT là sera poussée, qu'elle s'active après, bah, comme le canon basique. Donc ensuite, vous faites une sorte de muret comme ça, surélevé de 2. Et vous mettez des torches de redstone en haut, hein. Je dis bien en haut parce que vous ne trouvez pas les mettez pas en bas parce que sinon ça fait tout péter et vous faites comme moi, vous devez tout recommencer. Voilà donc là normalement c'est bon. Donc, moi j'en mets 2 ici, des répéteurs. Les 2 sur 4, non, le plus loin sur 4 et lui sur 3. Et maintenant, pour faire le système qui pousse à chaque fois, vous allez mettre du sable. À chaque fois du sable. Donc vous en mettez autant que la longueur que vous avez mis en TNT. Donc là, sur le coup, je vais en mettre 7, 5. 1, 2, 3, 4. On va en mettre 6 au cas où, je ne me rappelle plus exactement. Ah, voilà. Et voilà, et donc normalement. Ah oui, donc ici, n'oubliez pas de boucher. Bah moi je sais pas, à chaque fois que je bouchais pas j'avais des problèmes, donc maintenant je bouche. Et donc vous vérifiez bien que tout ça ce soit ici, pas collé, hein, bien ici. Casse-toi sale porc. Voilà. Et bah vous rejoignez tout simplement votre système par un levier. Et normalement, et bah ça marche tout seul. Voilà, donc là, faudrait peut-être que. Donc là, vous voyez, en fait, vous réglez les répéteurs en fonction de quand explose la TNT. Donc là, elle a explosé un peu plus tôt, donc vous retardez un tout petit peu plus. Donc là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez réessayer directement. Voilà, ça devrait être bon là. Donc là, il faudrait que je remette un répéteur en plus. Ouais. On va essayer comme ça, normalement ça devrait être bon. Enfin, je pense que vous avez compris le système, hein. C'est vraiment ça le but. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Comme ça. Même. Hop. Même en rajouter un. Voilà. Sur 3, ça devrait être bien. Ah oui, quel con. Voilà. Et là, normalement, ça a quand même pété vachement loin. Donc, c'est pour ça que j'ai surélevé, parce que, bah, vous voyez, ça va quand même super loin quand c'est surélevé. Donc, j'espère que ce petit. Bon, après, moi, je le fais avec un levier, mais un bouton, c'est plus facile, hein. Le bouton, vous avez juste à appuyer, ça tire, et puis après, vous avez juste à appuyer, ça retire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, là, j'ai fait ça sur 5, mais vous pouvez faire sur 7 ou 8, je crois, mais pas plus. Parce que, après, les pistons, bah, ils peuvent plus pousser. Enfin, j'ai pas. Ou alors, j'ai juste pas. Je me suis juste gouré sur. Bah, moi, au-delà de 8, ça poussait plus. Donc, essayez plus, hein, avec plus de répéteurs, peut-être derrière, je sais pas trop.
Pour l'instant, je ne me suis pas attardé dessus, mais essayer à 8 maximum. Déjà, 8 TNT dans un mur, ça fait bobo. Et bah, oh putain. Et je vous retrouve dans 2 petites secondes parce qu'il y a un truc qui me fait chier. Ok, c'est bon, je me suis débarrassé de l'élément perturbateur. Et bah, je reviens pour vous dire au revoir. LOL! Bah, j'espère que vous avez tout bien compris. Si vous avez aimé, aimez la vidéo. Si vous n'avez pas compris, bon. Là, je pense que. C'est pas encore très compliqué, hein. C'est vraiment pas des tutos très très compliqués. Donc, bah, si vous n'avez pas compris, dites-le dans les commentaires. J'essaierai de vous aider comme je peux. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao!